Alors, dans un bulletin de salaire, il y a 7 zones, d'accord ? La zone 1, c'est toutes les informations sur l'employeur et l'employé, d'accord ? Donc, il y a des obligations de mettre la classification de l'employé, le nom du salarié, le nom de l'employeur, l'adresse, le code NAF et le siège, ok ? La partie 2, c'est le salaire. Donc, il y a tout salaire qui est perçu, donc il y a tout qui est décrit, ok ? Après, zone 3, c'est les cotisations et les contributions, ok ? Zone 4, 5 et 6, il y a le net à payer. Après, il y a le montant net et social. Après, il y a le net imposable. En fait, seulement, en plus. Oui. Si c'est honnête, en plus, parce que c'est bien. Alors, si c'est honnête, c'est honnête, c'est honnête. Alors, avec ton papier, c'est mieux. Alors, en fait, en plus, qu'est-ce que tu voulais ? Tu vas être très bien. Alors, tu veux être honnête, tu as vu que tu sois 1 à 5, tu vas faire plus de plus. Alors, en plus, tu veux faire un truc. Ok, et eh ben, donc, après on continue dans la zone 7. C'est ce qu'il y a ? Il y a toutes les informations supplémentaires. C'est ça, alors, et après, c'est mon terre. Alors, c'est mon terre. Oui, c'est un génie, c'est un génie. Alors, appuyez sur lui, abonnez-vous sur YouTube. Ok, abonnez-vous sur YouTube et vous pouvez mettre un like. Ouais. Ouais. C'est bon. Au revoir les copinous. Attends, j'en veux. Je suis un peu heureux. On commence. On commence. Ok. Donc, maintenant, on va parler des tranches. Donc, la mensualisation. Donc, le salaire, si on parle en jour calendaire, c'est que. Là, c'est passé. Et là, je me suis dévié. Si on part en jour, on fera c'est du lundi au samedi. En jour, on c'est du lundi au vendredi. On fera une mensualisation. Vous multipliez par 50 et puis divisé par 12. D'accord ? Ça se passe 35 heures. On refait la même chose. Et on multipliera par les heures sup. Par 1,25. À toi. En plus, ton 25. Et c'est bien. Alors, en plus, il faut abonner dans la chaîne. Alors, en fait, je fais un jour, non, c'est ça. Jour du CA, un maintien, le relève, guerre des heureux. Un nombre, et un jour, là, ouais, 240. De travail, et doit être là, tellement, t'as des justement, c'est, pour, c'est parce que j'ai pas reçu les billets sur celui-là. Une réunion pour. En plus, c'est moi, parce que là, si abonnez-vous, je suis au champé, parce que bientôt, j'ai le champé comme un fou. Alors, et après, seulement, abonnez-vous, je l'achète comme un fou. La réservation SFNL. Attends, recommence. Maintenant, nous pouvons parler du forfait jour. Donc, le nombre de jours, il est fixé à 200. À ça, en fait, on prend le nombre calendaire de l'année, on enlève le nombre de jours travaillés, le nombre de samedi, le nombre de dimanche, le nombre de jours de férié qui tombent pas un samedi, pas un dimanche, et les 25 jours de congé payé. Et comme ça, ça va nous donner notre RTT. Voilà, à toi. Somme dans le dos de Tipa Wesh, tout le temps.